Le Real Madrid, Carlo Ancelotti prend position clé sous Ballon d'Or 2024 là. Captapsen, c'est compagnie ça qui permet de jouer l'argent par les familles et les amis qui sont en Haïti. Ou même quand vous voulez de l'eau, ou pas besoin d'aller dans une maison de transfert pour jouer l'argent par les familles et les amis. Téléchargez l'application Captapsen dans sur Google Play Store ou App Store ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cash énergie. L'argent a bien joué sous compte mon cash énergie. C'est 4 débits qu'on a besoin pour faire transaction. L'on utilise pour mon code moyen. Kim Haïti, K-I-M-H-A-I-T-I, ou a gagné $15 sous première transaction, ou même qu'on a voué compte by famille ou examen qui en Haïti. L'automobile, téléchargez l'application l'automobile sur Google Play Store pour placer par sportif. Par simple, par multiple, par combo, l'automobile gagne basketball et tennis sous application. Et à Madrid, ça gagne Ligue des Champions. Gagne championnat, gagne Super Coupe d'Espagne. Équipe ça, ça fait en saison historique, le c'est seul Atlético Madrid qui mettait doyo à terre toute compétition confondue. Eh bien, dans belle saison ça pour l'équipe Real Madrid là, il y a certainement des individualités qui ont brillé pour l'équipe football. On a commencé par Toni Kroos, qui était très bon pour l'équipe Real Madrid, là, mais qui mettait fin à la carrière football. Mais en attaque, Real Madrid a gagné deux joueurs qui étaient impressionnants pour la saison. Junior Vinicius et Jude Bellingham, première saison historique pour Jude Bellingham avec l'équipe Real Madrid. Là. Mais nous connaissons pas seulement gagné compétition de club sous saison en question. T'es gagné tout en deuxième partie saison football, qui c'est partie sélection. Sorti 14 juin pour arriver 14 juillet, boule sélection t'a brassé. Avec Argentine qui gagnait Copa América, bat sélection colombienne, yon la 0. Et surtout l'Espagne à la surprise générale, pas surprise dans la compétition, mais surprise avant la compétition, parce que l'Espagne, pièce moun pas trouvé l'Espagne comme favori numéro 1 pour gagner la compétition, ça, c'était surtout la France et l'Angleterre, ça n'a pas oublié l'Allemagne avant la compétition, ça. Eh bien, l'Espagne fait un bagage historique, 7 matchs, 7 victoires pour la sélection espagnole, là, qui bat l'équipe anglaise, là, 2-1. Eh bien, saison 1 qui commençait dans le mois août 2023, fini 14 juillet 2024. On y a son question de bilan, c'est en question du ballon d'or qui a bail dans fin mois octobre dans le pays de la France à Paris. Eh bien, il y a une personnalité très importante dans l'affaire football. Il y a un plus gros entraîneur, je vois ça, qui s'est rendu l'outil. Entraîneur qui gagne plus Ligue des Champions. Entraîneur tout qui fait plus finale Ligue des Champions. Eh bien, Real Madrid dans la pré-saison a préparé la saison 2024-2025. Donc on est Mbappé et donc on est Henry qui a joué en équipe Real Madrid la saison 2024-2025. Real Madrid a style yon gros favori pour gagner yon 16e Ligue des Champions. Eh bien, Ancelotti baille position sur Ballon d'Or 2024 la. Et nous pral dit ça nous penser de déclaration et position Ancelotti. Monsieur dit Ballon d'Or 2024 là. À mon avis, c'est Vinicius qui mérite. C'est Vinicius qui a gagné le ballon de 2024 là, à mon avis. Je dis, Cavaral, t'es très bon tout sous saison 2023-2024 là. Cavaral gagne Liga, il gagne Ligue des Champions, il marque dans la finale Ligue des Champions et il gagne Coupe d'Europe là. Je dis, gagne Jude Bellingham qui fait une saison fantastique. Il gagne Ligue des Champions, il gagne championnat. Bellingham c'était meilleur joueur Liga. Je dis Rodri t'es très bon tout sous saison 2023-2024. C'est un milieu de terrain fantastique. Un meilleur milieu de terrain qui gagne dans le monde. Je dis Rodri c'est un joueur très constant qui a une régularité énorme ici. Eh bien Rodri fait partie de favori pour gagner Ballon d'Or. Je dis mais Vinicius joueur talentueux qui gagne une bonne image. Qui gagne Liga, qui gagne Ligue des Champions, qui marque dans la finale Ligue des Champions, qui fait goal dans la demi-finale Ligue des Champions, qui marque deux goals à Munich contre Bayern Munich, meilleur joueur Ligue des Champions. Je dis, Vinicius, à mon avis, c'est Ballon d'Or 2024. La première chose, c'est un
personnalité qui est très réaliste. Si c'est vrai, pas gagné le nom de Lautaro Martinez, mais gagné quatre noms que Ancelotti bail là, c'est quatre noms qui pourraient être très importants dans le Ballon d'Or 2024. Là. Caval. Caval fait quand même une très bonne saison. Audry, je parlais de Audry, je connais l'importance, je connais poids Audry sous saison 2023-2024. Là. Je parlais de Bellingham, que le dit qui est meilleur joueur Liga, qui était très bon. Et il parlait de Vinicius, que le croit et qui mérite Ballon d'Or. La première chose, c'est un entraîneur qui est très réaliste. C'est pas 11 affaires Real Madrid seulement la gérer, mais Ligue 1 regard international. Parce que l'Itégué doit pas mettre Rodri. S'il pas mettre Rodri, il t'a paraître un monde qui a réglé uniquement les affaires Real. Donc, Ligue 1, on regard football qui garde réalité club avec réalité sélection. C'est peut-être ça, il mettait Caval, il connaît l'importance Caval dans le club avec sélection. Il mettait Rodri tout sous saison. Là, on parle de l'aspect réaliste, question. Deuxième bagaille, c'est un entraîneur qui remet Vinicius. Ancelotti était égal à lui-même dans la position. Depuis la saison, après l'autre tournure, sur le plan individuel, pas oublier dans la première partie de saison, c'était Bellingham, sorti août 2023 pour arriver décembre 2023. Mais à partir de janvier 2024, Vinicius prend ses balles, mais dans la main, ça fait meilleur joueur Real Madrid. Il fait plus de goals dans la période de ça. Il est beaucoup plus décisif dans la période de ça. Il est beaucoup plus impactant dans la période de ça. Sorti janvier pour arriver juin, 1er juin. Plus impactant, plus décisif, grosse performance, c'est Vinicius. Nous avons quand même, plusieurs grosses performances de Vinicius dans la période ça. Girona, c'est dans la période ça. Barcelone, c'est dans la période janvier pour arriver juin. De Bayern, c'est dans la période ça. Et Vinicius, meilleur joueur mois mars 2024. Il fait 3 goals dans le Classico, très bon contre Girona et très bon contre l'équipe et Bayern Munich. C'est dans la période ça, il fait goal dans la finale de Ligue des Champions. Depuis le Vingon l'a tourné en équipe Real Madrid dans ça qui a rapport avec meilleur joueur, Ancelotti prend position. Et tellement prend position, il était clairement dit que Vinicius c'est meilleur joueur du monde. Vinicius c'est joueur qui méritait Ballon d'Or. Ça, c'était bien avant Copa América. Bien avant Coupe d'Europe. Là. Et Copa América fini, Coupe d'Europe fini, Ancelotti qui est même position. Que Vinicius, c'est joueur qui méritait Ballon d'Or. Ça veut dire, monsieur, était avec même ça que tu es dans tête li, avant et compétition. Après Ligue des Champions, bien période que Ligue des Champions a brassé dans le deuxième tour Vinicius brillant, les qui est position après ça. Mais comme il a, relation Ancelotti avec Vinicius, c'est quand même une bonne relation. Sorti 2022 pour arriver 2024, d'abord 3 saisons, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Et période ça, qui c'est période Vinicius après Galon, c'est période côté Ancelotti en temps Real Madrid. En 2021, Vinicius pas dans affaires nominées pour Ballon d'Or. Real Madrid éliminé contre Chelsea. Ancelotti pas là en l'équipe football ça. Ancelotti vini après Zidane. 2021-2022, Vinicius 8e dans Ballon d'Or. 2022-2023, Vinicius 6e dans Ballon d'Or. 2023-2024, Vinicius c'est gros favori pour Ballon d'Or. Progression ça li joueur là qui gagne quand même ambition pour le faire plus que ça parce que
Vinicius sorti de un joueur côté coéquipier Abdi. Papa monsieur passe. Monsieur pas jouer pour nous, monsieur contre nous l'a joué. Monsieur pas dans nous même. Li passé dans logique un joueur qui contribuait dans ballon d'or, joueur qui t'a dit que le pas jouer pour nous hein? Parce que au mettre de toute bagaille. Si on a regardé le classement Ballon d'Or 2022, Real Madrid n'a pas gagné la Ligue des Champions 2022, Benzema n'a pas gagné le Ballon d'Or. Si on a regardé le classement Ballon d'Or, Kevin De Bruyne, Mani, Benzema. Donc, pas oublier Real Madrid éliminer City. Real Madrid champion sur Liverpool. Ça veut dire l'autre nèg qui fait partie du podium Ballon d'Or l'accompagné avec Benzema qui premier, il était dans la Ligue des Champions. Eh bien Vinicius contribuait grandement dans Ballon d'Or Benzema. Benzema qui t'a dit Mendy pas bye Vinicius parce que l'a joué contre. C'est là que Vinicius sorti, il vient là. Eh bien il fait goal qui bat Real Madrid 14e Ligue des Champions. Kounye là 2022-2023 qui c'est après saison Benzema Ballon d'Or Real Madrid gagne seulement coupe là. Mais sur le plan individuel, Vinicius fait plus individuellement parlant par rapport à saison l'été champion Ligue des Champions. Et récompense là, il sorti de 8e en 2022, il est 6e en 2023. Il était capable plus si il était fait quand même une Coupe du Monde. C'est de ça on parle. De 8e à 6e, dans Ballon d'Or, performance individuelle lié augmenté. Quand là, nous avons 2023-2024. 2023-2024, il joue moins de match. Par rapport à saison 8e, saison 6e. Maintenant, pendant le jeu de ce match, il fait plus de goals par rapport avec deux saisons. Ça en 2023-2024, il joue moins de match par rapport à 2021-2022-2022-2023. Mais il fait plus de goals. Ça veut dire que c'est un joueur qui est beaucoup plus clinique, qui est beaucoup plus tranchant. Et il vient beaucoup plus impact sur le résultat de l'équipe. La première fois, est bien grande. Si nous comparons Vinicius 2021-2022-2022-2023, nous croyons que 2023-2024 il y a beaucoup plus de matchs de référence par rapport à deux saisons, ça, les 8e et 6e de Ballon d'Or. Il y a beaucoup plus de matchs de référence. Nous gagnons Girona, nous gagnons et match contre Bayern Munich, et nous surtout gagnons Barcelone, nous faisons 3 goals contre Barcelone. En termes d'impact sur le résultat équipe, nous avons un match à rebondissement. Vinicius pas de game match ça. C'est vous capable de parler de match Liverpool pour OK mais c'est bon seulement pas 3 goals plus gros match dans l'histoire là. C'est dans la saison 2023-2024 là. Et pas oublier depuis 2021-2022 pas gagné aucun joueur statistique individuelle goal à passe qui fait plus que Vinicius depuis 3 saisons. Ça yo ces joueurs là qui a grandi année après année. Mais quand il a, qui est Mister Langue dans bagay ça? Il toute la cette journée avec un chiclet, la brasse est bouchée. Mais ou a comment pas pour l'utiliser joueur lui? Ou a comment pas pour le gérer joueur lui? En gestion sans problème, ou lui go fâché. Absorti sous bas parce que yon retire le jeune garçon vini. Faut qu'on gagne bonne manière, l'absorti salue fréquent. Ou digo pas fait baisse encore. Vinicius a fâché. Jeune garçon vini. Ozo. Ozo petit. Calme. Il y a un problème pour le retirer Tony Kous. Ou fâché, a fait pas. Mais, ou doit respecter. Et nous respecter
Et puis, vos qualités, Ancelotti, gagne comme entraîneur, l'offre nous outil aspect tactique, question 1, et en fonction du joueur que le gagne en mêle, c'est capacité le gagne pour le bail joli, la liberté pour exprimer yo comme footballeur. Et avec Ancelotti, bon, c'est le joueur qui grandit. Benzema vient un meilleur joueur à Ancelotti. La preuve, Benzema Ballon d'Or sur l'égide d'Ancelotti. Puis, la saison Benzema, c'est à Ancelotti. Shevchenko, Chiva, Ballon d'Or sous l'égide d'Ancelotti. Ça aussi fait. Oui, Cristiano Ronaldo était déjà un Ballon d'Or avant. Mais, à Ancelotti, il prend Ballon d'Or tout. Kaka. Puis, force à Kaka accompli comme joueur football. C'est à Ancelotti qui te balle liberté. Ancelotti dit, le fait croiser Kaka. Lui, ouais, on t'y fait l'évangile. Et puis, dit, après ça, la langue des joueurs sur le terrain de football, c'est un gros conseil. Et puis, il baille Kaka liberté pour Kaka exprimer. Et si nous prenons Kaka de le sauti dans le pays Brésil, il vient jouer dans Milan AC, Kaka, mon période, c'était le meilleur milieu de terrain en Europe. Et Kaka accomplit une plus grande performance individuelle sur saison, j'en souhaitais porter Milan. À Ancelotti. Bellingham, c'est un bon joueur dans d'autres mondes. Bellingham, que nous l'avons cité pour Ballon d'Or, c'est à Ancelotti qui baille voile yo liberté et liberté ça a yo. Bon pour l'équipe là. Mais quand il y en a, Ancelotti, c'est entraîneur Real Madrid, mais Ancelotti, pas Real. Puis ça m'a dit entraîneur Real Madrid, Ancelotti par Real Madrid. Real Madrid, c'est une institution qui a un groupe qui a présidé avec Pires qui est tête de gondola. Mais quand il est là, Ancelotti, son personnalité très respectée. Est-ce que c'est pas Pires qui prend une position clé, mais il passe par, il fait entraîneur à passer? Parce que Real Madrid, c'est une rare fois que moi-même, m'a regardé, bon, pas dire fois, c'est la première fois, m'a regardé que Real Madrid gagnait deux joueurs qui ballonnorisables sur une saison. C'est pour la première fois que moi-même, moi, vive ça. Maintenant, Real Madrid pas obligé de faire un statement pour dire bon, parti sous base sa fête saison, Vinicius, c'est joueur que nous allons poser au Ballon d'Or. Parce que vous mettez tout le bagage, joueur play ego. Chaque joueur t'a aimé, soutenu par institution. Et bien, institution lui-même, je parle de Real Madrid, l'étape beaucoup plus facile. C'est tout le monde qui que des bons joueurs en dans l'équipe football ça, qui prend tout le bagage au bouli. Et puis, c'est normal pour nous que vous avez deux joueurs qui ont un argument Ballon d'Or, comme je n'ai même équipe. Et puis, pour ta proposition pour vous, parce que chaque joueur, tu as bien besoin, Vinicius, tu as un Ballon d'Or, Bellingham, tu as un Ballon d'Or, tout. Mais le fait que Ancelotti prend position, m'a posé une question et m'a été quoi ça lié que institution lui-même lui parle directement pour une position claire pour dire ok mais qui joue pour pas créer panique. Eh bien lui passe par Ancelotti parce que il y a des décisions qu'il prend même l'on entraîneur à dire lui qu'on besoin aval institution. Parce que là, c'est Ballon d'Or. Là, c'est pousser un joueur alors qu'on a un autre joueur qui c'est Jude Bellingham. Pas oublier depuis le Ligue des Champions fini, public a scandé non Vinicius Ballon d'Or. Public a tout li paraît proposition. Et le Ancelotti lui-même lira les arguments Rodri, Caval, Bellingham et il dit Vinicius c'est Ballon d'Or. Il paraît que le club lui-même prend position dans Vinicius, mais il passe par entraîneur.
qui c'est Ancelotti. Bien que je crois que Ancelotti lui-même c'est Vinicius, je dis vle ballon d'or. Mais il paraît que Perez a joué malin. Eh bien, il y a Ancelotti qui s'est intermédiaire. Mais ça sûr, Ancelotti remet Vini. Vini bal gagné tout. Vini fait le gagné. Deux dernières Ligue des Champions que Real Madrid bayo, c'est Vini bayo en quelque sorte. Vini bay final là. Et Vini bay Ligue des Champions 2024 là, côté que le meilleur joueur Ligue des Champions. Eh bien, joueur, ça n'a pas suspendu progresser. Son emprise Ancelotti. Depuis le Ancelotti, il vient dans Real Madrid. Vinicius est comme ça. Il vient comme ça. La descend. Dans le sens positif là. Ou bien, il était comme ça. La montée. Dans le sens positif là. Depuis la main de Jean, même moi, Prel. La sorti en la descend. Ou bien, la sorti en bas la montée. Huitième dans le ballon d'or. Sixième dans le ballon d'or. Numéro 1 ou numéro 2 dans le ballon d'or. Ou bien numéro 3 dans le ballon d'or. Mais. C'est de ça qu'on a parlé. On a parlé quand même de 11 joueurs qui progressaient et ça, il y a d'abord volonté, sacrifice, détermination, ambition, joueur qui sortit dans la logique, papa, monsieur Ballon, monsieur Abjou contre nous, passé par important, décisif, implication dans le ballon d'or, monde qui te dit, Abjou contre Léa, qu'on est là ou même en 2024, ou sous pour ballon d'or, côté que joueur, qu'on contribue grandement pour ballon d'or, là, que c'est Benzema, dit ballon d'or 2024, là, c'est Gino Vinicius. Et bien, ça tout, entraîneur avec Ancelotti, gagne tout mérite et tout, parce que depuis le Ancelotti vient dans Real Madrid, Gino Vinicius, pas suspendre bon. Il est tellement bon, il est joueur depuis saison 2021-2022. Qui a plus contribution, goal, ak pass, dans la plus grosse compétition de club là, qui c'est Ligue des Champions.